Bonjour à tous. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur le site. Nouvelle vidéo avec Martine, qui est une diététicienne. Donc, on veut partager ça avec vous. Et cette première vidéo, ça va être pour poser un petit peu les besoins nutritionnels qu'on va avoir besoin au tennis. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc Martine, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? Je suis Martine Goncalves, je suis diététicienne, enseignante et joueuse de tennis. D'accord. Et effectivement, dans ma pratique professionnelle et sportive, on me pose beaucoup de questions sur l'alimentation, quel type d'alimentation avoir dans le cadre D'accord. de cette pratique sportive. D'accord. Donc, du coup, tu vas pouvoir répondre à mes questions. Tout à fait. Et nous apporter des réponses sur des choses qui peuvent nous être utiles, je pense, au quotidien. Au quotidien est très pratique. Et que ce soit pour des joueurs, joueuses, jeunes, ados, Oui, adultes, oui. et que ce soit des joueurs de compétition, que ce soit même au début de compétition, que ce soit quatrième série, troisième série ou seconde série. Tout à fait. Voire En mieux, fait, ça peut répondre à tout le monde. on a trop tendance à croire qu'on va faire attention à son Mmh. alimentation que quand on a un enjeu sportif, quand on est de classé ou Oui, quand on a oui. un haut niveau. Mais finalement, il faudrait qu'au quotidien, tout le monde, lambda, quoi, qu'on vienne au tennis pour un sport Oui. loisir ou juste un sport santé, ou bien sûr compétition, il faudrait vraiment avoir une alimentation adaptée à cette pratique du tennis. Sans pour autant, il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. Ah, pas du C'est pas tout. des changements énormes. C'est juste Pas du tout. Et un peu plus d'ailleurs, de vous rigueur, allez quoi. souvent m'entendre parler d'alimentation adaptée et pas du tout de diététique ou Oui. de spécificité. On va aborder certains aliments, mais pas Oui. du tout très compliqué dans la Oui. mise en pratique. D'accord. Et donc justement, notre sport, le tennis quand même, il y a, c'est, enfin, tous les sports sont différents, il y en a certains qui se ressemblent, mais donc le tennis quand même, il a des paramètres, des variables à prendre en compte quand Tout à même. fait, ouais, c'est un sport à variable et Oui. c'est ce qui va nous demander en tant que professionnels d'aller déjà comprendre ce qui se passe au Oui. niveau de ce sport et après vraiment être au plus proche de ce qu'il faudrait mettre en place pour l'alimentation. Alors c'est vrai qu'on est, y a différents types de personnes qui pratiquent le tennis. On va le faire sur une pratique occasionnelle ou bien Oui. de loisir ou bien après avec de l'entraînement et de Mmh. la compétition qui va avec. C'est un sport qui est intense, Oui. mais cette intensité, elle est fractionnée durant un match. Mais sur de Donc, la longue durée. Ouais, mais c'est du fractionné sur de la sur longue de la durée. longue durée, et Ouais. puis on sait très bien à quelle heure on va commencer un match, Mmh. mais jamais à quel moment Il il va va se finir. terminer. On a des conditions intérieures-extérieures aussi qui Oui, va changer. avoir un effet sur notre comportement, ne serait-ce qu'hydrique. Oui. Ensuite, on a des horaires. En tournoi, on va dépendre vraiment de la disponibilité de l'adversaire, de la Oui. disponibilité des terrains, etc. Des matchs précédents aussi. Des matchs précédents, voilà, des matchs qui ne sont pas terminés Oui. alors que vous êtes en attente du début du vôtre. Oui. Bon, bref. Et puis après, quand on est en période de championnat, on a des rendez-vous le dimanche matin à Oui. 9 h. Oui. Et la première rotation passe à 9 h. Et Oui. puis l'autre, elle passe quand la première rotation a fini. Donc tout ça va induire des comportements qui peuvent nuire à la pratique du tennis. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte tous ces paramètres pour qu'on puisse réellement adapter son alimentation. Oui, et je pense aussi aux gens qui sont en cours, qui ont cours par exemple le mardi soir après leur travail à 21 h ou 21 h 30, ou qui se disent ouais, ou juste à 8 h, je sors juste du travail, est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que j'ai besoin de boire déjà dans la journée pour être bien pendant mon cours? Ça, c'est le plus difficile parce qu'en fait, on est sur la pratique d'un sport où normalement, on est en train de manger. Oui, Donc oui. là, ça va avoir un impact aussi Mmh. sur est-ce que je mange avant, après. Après, oui. D'ailleurs, ça fera partie des prochaines vidéos Oui. où on va vraiment installer ce qu'on doit faire Avant. avant un match ou un entraînement, pendant et Et puis après. ensuite, après. D'accord. Et donc du coup, moi je pense, et tu me dis si je me trompe, mais je pense que un joueur de tennis, il a besoin donc cette alimentation, cette hydratation, mais que ça fait partie d'un tout. Et un peu à l'image d'une chaise, si on avait les 4 pieds de la chaise, il y en aurait un pied, ça serait tout ce qui touche au terrain, ou en tout cas tout ce qui touche à ce qui se passe avant la compétition. Après, un autre pied, c'est que ça serait la compétition. Un, c'est que ça serait l'importance, enfin, je trouve que c'est hyper important, tout ce qui est
récupération, la récupération, sommeil, penser à bien dormir, et voilà. Et la dernière, ouais, et la dernière qui serait donc justement l'alimentation et l'hydratation. Tout à fait. Et l'image est bonne, ouais, dans le sens où si la chaise est bien stable quand il y a ces quatre, quand on prend en considération ces quatre piliers, ouais, et si jamais, bien, il en manque un, mais ça devient bancal. Et puis, ouais, aujourd'hui, le lien entre l'alimentation et puis tout ce que tu viens de citer est bien établi. On a trop tendance à vouloir le jour du match faire les choses ou changer, ouais, ses habitudes le jour du match, ouais, alors que ben, au même titre que l'entraînement et tous les coups, ouais, qu'on peut faire, ben, ça s'entraîne bien avant. Ouais. Et donc, si on doit faire quelque chose, changer sa pratique alimentaire, ben, ça se fait aussi les, ouais, jours, ouais, les jours de l'entraînement pour voir si finalement tous ces changements s'adaptent. Oui. S'adapte à la pratique, à la pratique et à ce qu'on est, nous. Oui, ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que souvent, on néglige complètement, si on prend l'exemple de l'entraînement, cet entraînement, on le néglige, on vient un peu parce que c'est la fin de la semaine, parce que c'est la fin de la journée, etc. Et en tout cas, l'entraînement, ce n'est pas que pour perfectionner le tennis, c'est aussi, si on regarde un peu plus à l'intérieur du corps, c'est pour développer le muscle, c'est pour développer sa performance sportive, c'est pour constituer des réserves, et tout ça, en fait, ben, on le néglige parce que c'est juste un entraînement. Alors, moi, en tant que diététicienne, je vais valoriser effectivement l'alimentation, et le lien est bien montré que, ben, du coup, une bonne alimentation, elle va permettre de maintenir une masse musculaire. Surtout, une bonne alimentation, ce qui va vraiment être le repère, c'est la stabilité du poids. Si on a un poids qui est stable, déjà, on sait qu'on est... on est dans une bonne pratique alimentaire. Bon, bien sûr, après, quand on regarde un peu plus près, on risque de constater autre chose, mais le poids est un bon indicateur de voir si on mange suffisamment ou trop, insuffisamment ou suffisamment. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va constituer bien avant la pratique, on va constituer des réserves qui vont nous servir pour la pratique sportive. Donc, du coup, on est sur de l'amélioration de la performance sportive. Et puis, surtout, quand on a une bonne alimentation qui va être normale, équilibrée, on va le voir un peu plus loin, eh bien, on constitue des réserves suffisantes pour éviter les carences et, qui peuvent être nombreuses et surtout, après, qui induisent des blessures. Ou tout simplement des malaises, hein, quelqu'un qui ne mange pas suffisamment ou qui n'a pas du tout mangé avant un match ou avant une rencontre. Une crise d'hypoglycémie, par exemple. Voilà, une hypoglycémie. Et puis, s'il n'y a pas suffisamment de réserves, et notamment sur certains nutriments ou certains micronutriments, eh bien, l'apparition d'infections ou de perte de poids qui va induire aussi une fonte musculaire. Voilà, donc on est vraiment sur l'alimentation et la pratique sportive, ça va de pair. D'accord. L'alimentation du sportif et du tennisman en général, en fait, on a l'impression qu'elle est complètement à l'opposé ou qu'elle ne pourrait pas correspondre à la vie de tous les jours, mais c'est vraiment une alimentation qui sera normale, équilibrée, et qui va varier aussi, puisqu'il faut vraiment qu'on arrive à couvrir tous les besoins. Mais par contre, elle va s'adapter, et à l'âge, effectivement, on va avoir des dépenses un peu plus importantes, ou des besoins un peu plus importants, pardon, par exemple, si on est un adolescent qui est en pleine croissance, donc il va y avoir un besoin supplémentaire en énergie, en protéines, en calcium. Un adulte de 40 ans aura des besoins spécifiques aussi, de ne pas faire une fonte musculaire lui aussi par ailleurs. Bon, voilà, donc on s'adapte, on va vraiment adapter ce sport à chacun, mais en même temps, c'est aussi l'intensité qu'on va donner, et puis le nombre d'entraînements qu'on va donner, et puis le nombre de matchs qu'il va y avoir dans la semaine ou dans sa pratique. Et puis, il ne faut absolument pas oublier, puisqu'on parle des grands principes, c'est vraiment l'hydratation. Et ça va vraiment de pair, et constamment, on va en parler sur ces vidéos. Le rôle, c'est complètement lié, et on ne peut pas considérer le sportif. Et puis, nous, au niveau du tennis, c'est vraiment... En plus, on a des conditions de match qui permettent vraiment
de s'hydrater très régulièrement à chaque changement de côté. C'est pas comme au foot, c'est qu'ils sont obligés, ils en profitent quand il y a un temps mort. Voilà. Alors que nous, on sait que chaque changement de côté, on y a droit. Peut-être que certainement, il peut y arriver que les deux jeux avant le changement de côté soient longs, mais on sait qu'à un moment donné, on va pouvoir boire. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une chance de notre sport de pouvoir s'hydrater. Oui. La seule chose qui va interférer, c'est que en fait, de façon générale, parfois le sportif n'a pas soif. Et donc là, on va essayer de vraiment être dans le fait de stimuler cette soif.